Coucou. Maintenant, ça va être l'étude des grands nombres. Dans un nombre, il y a toujours deux chiffres. Le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Le chiffre des douzaines, le chiffre des unités. Le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Non, il n'y a rien là. Bon. Alors, voilà. Donc, on a ici 50, 30, 40, 60. OK ? Je vais vous les montrer sur le boulier. Voilà, j'ai installé le boulier. Donc, on le voit, il est là. Qu'est-ce qu'il est grand, dis donc, hein ? Alors, on va compter ensemble. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, parce que c'est 60 plus 10. 80, 90. Pourquoi on dit 90? Parce que c'est 80 plus 10. Et 100. Allez, je remets tout à zéro. Allez, maintenant je vais en faire un. Vous allez essayer de deviner. C'est entre 50, 30, 40 et 60. Alors attention. Je cache. Alors, c'est combien? 10, 20, 30. On vérifie. 10, 20, 30. Parfait. Si je dois compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouf! Je ne me suis pas trompée. C'est pour ça qu'on fait des paquets de 10. Parce qu'en faisant des paquets de 10, c'est beaucoup plus facile pour compter. Quand on sait qu'il y a deux paquets de 10, on sait forcément qu'il y a 20. Là, j'ai combien de paquets de 10? J'en ai 1, 2, 3. Alors attention, j'en fais un autre. 10, 20, 30, 40, 50. Attention, je tourne. Oh, il n'est pas écrit. C'est en tout petit, hein, faut le voir. Hein. 50. Donc, j'avais arrêté un petit peu la vidéo pour pouvoir refaire les chiffres parce qu'on ne les voyait pas bien, les enfants. Donc là, on a fait le 50. Je vous en fais un autre. Attention. Je cache. Alors, combien il y a là, ici? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bravo. Bravo, maîtresse, à trouver. Je veux 60. 40, 50, 60. Voilà, j'ai trouvé 60. 60, une dizaine, deux dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines. Et ça nous fait le 60. Si on continue, 60, 70, 80, 90, 100. Alors attention, je vous en fais un autre. Le dernier. Allez. On essaye de compter combien il y a. 10, 20.